Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Allo Culture. La question revient souvent, alors autant faire une petite vidéo dessus. Qui est cette Cortana présente à la fin de Halo Reach? Cette question est légitime pour ceux qui ont lu les premiers romans Halo, principalement Halo, la chute de Reach, et qui y voient ici une incohérence. Un Halo Culture plus détaillé que cette vidéo existe déjà sur Cortana. Mais en rapide, Cortana est une intelligence artificielle maligne, de troisième génération. Elle a été conçue directement depuis une copie du cerveau du Dr Halsey, spécialement pour les Spartan 2, qu'elle a elle-même mis au point, et tout particulièrement pour John 117, que Cortana a elle-même choisi. Cortana a été construite en mai 2549. Halsey voulant une IA d'une grande qualité, débutant avec elle les intelligences artificielles de troisième génération, se basant donc sur son propre cerveau. Halsey prépara l'opération Drapeau Rouge, dans laquelle les Spartans 2 devaient partir capturer un prophète Covenant pour tenter de mettre fin à la guerre. Le Pillar of Autumn fut choisi, piloté par le capitaine Keyes. Cortana et John firent alors connaissance, eux qui partageraient une même armure. Se préparant à l'opération, une partie de Cortana rejoignit alors le Pillar of Autumn, tandis qu'un sous-programme épaula Halsey jusqu'à l'attaque de Reach par les Covenant. Nous avions donc là Cortana originale assistant le capitaine Keyes dans une bataille spatiale dans l'atmosphère de Reach et un sous-programme qu'on peut appeler la fille de Cortana aidant Halsey dans ses recherches. Face à la chute de Reach imminente, Halsey a enrôlé les Spartans de la Noble Team, dont ce sous-programme avait choisi 6 comme porteurs pour l'accompagner jusqu'au Pillar of Autumn et que les deux parties puissent refusionner pour n'en former qu'une. Les données que Cortana a apprises en récupérant sa fille sont très importantes, car elles ont permis de découvrir l'emplacement du premier Halo. Et voilà, vous savez à présent tout de ce petit détail entre le jeu Halo Reach et le livre La Chute de Reach, ne racontant pas les mêmes événements. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra dans le prochain Halo Culture. Sauf si Lunar pète un câble, parce qu'elle concerne trop Halo Reach. Ouais, Lunar, c'est l'administrateur du wiki Halo, et il vous a à l'œil, donc voilà. Faites attention à vous, parce qu'il est... Moi, il me tape dessus, moi, des fois. C'est un homme dangereux. Allez, des bisous! Vive Halo! On se retrouve très bientôt!